Taïrou! Oui. Vous ne pouvez pas crier doucement. Regarde, tout le quartier vous entend. Les gens vont penser que c'est moi qui crie comme ça. Vous criez, on dirait des lapins. C'est pas moi. C'est elle. Attends, je vais la raisonner. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi tu nous déranges? Regarde, vous criez comme des sauvages. Tout le quartier vous entend. Pourquoi tu Mais tu peux pas aller doucement. Pourquoi tu te mêles de ma vie sexuelle? C'est quoi ton problème? Si je veux, je crie, si je veux, je danse, si je veux, je pleure, si je veux même, je pète. C'est quoi ton problème? Jalouse là. Bonne nuit. Mon amour. Oh, Taïrou, arrête ça. Faut me laisser tranquille. Maï, je sais ce que tu ressens. Mais ça va aller. Ça va aller. Ça va aller où ça? Ça va aller où ça? Ce que tu n'as pas pu faire au lit là, c'est pas au salon que tu vas faire ça. Mais je te dis que je ne suis pas née comme ça. Hein? Crois-moi, ça va aller. Ça fait un mois qu'on est dans ça va aller là, Taïrou. Moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je veux aussi des enfants. Il faut trouver une solution à ton problème. C'est Taïrou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est impuissant. Je m'en doutais. Je m'en doutais très fort. Bien avant votre mariage, je n'ai jamais vu Taïrou avec une femme. Mais que comptes-tu faire? Divorcer. Astaghfirullah. Non. Divorcer n'est pas la solution. Surtout pas ça. Je vais vous aider. Je sais que tu aimes Taïrou, Taïrou t'aime. Je vais t'amener voir un guérisseur. Il a même fait ses preuves. Ah, tanti, je suis que ça va marcher. Ça va marcher. Une aiguille. C'est avec ces deux-là que vous allez faire le travail. Arrivez. Vous prenez l'aiguille, vous l'enfoncez dans le savon et c'est automatique, ça va se lever. Pop. Mais il y a une condition. Une fois que c'est levé, c'est fini. C'est à vie. Ça va plus descendre jusqu'à sa mort. Maï, tu pourras? Oui, oui, je vais gérer ça. Hein? Oui, oui. D'accord. Bien, on continue. Si vous l'enlevez, ça descend. Et là aussi, c'est à vie jusqu'à sa mort. Ça ne pourra plus se lever encore. Maintenant, Haya, vous avez bien compris? Oui, ça va. Ah. Oui, oui. Alors, je veux des explications avant. Oui, bien, c'est bon. Allez, faites beaucoup attention. Oui. Secrétaire! Secrétaire! Okay.
ça pour que tu arrives vite à la maison. Oui. Ça, pour que j'arrive vite. Oh, mais allez-y. C'est quoi ça? Vous savez pas que moi j'ai chaud? C'est quelle façon de rouler ça? Allez-y, allez-y! Hein? Oh! Et puis il tourne, il tourne. Hein? Tu savais ça? Depuis là, tu ne tournes pas? Merde! Regardez-moi des gens comme ça. Oh! D'accord. Oh. Ah oui! Ça, c'est un miracle. Maï sera heureuse aujourd'hui. Je t'avais dit. Ça va aller, Maï. Ça va aller. Ah oui. Maï? Oui? Alors, chérie, ça va? Qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas? Ça va. Ah, tu rentres si tôt. J'étais au service. En t'attendant. J'ai envie de toi. Allez, rejoins-moi dans la chambre. Bon arrivé, mon bébé. Merci. Ça va? Oui. Ok. Tayro. Oui, Kampor. Oui. Ah, toutes mes félicitations. Merci. Oh, joli bébé. Voilà, je vais profiter courir à la maison et chercher à manger pour les enfants. Comme ça fait 3 jours que j'étais à la maternité. Et je reviendrai le soir donner le bain au bébé. D'accord. Mm-hmm. Vraiment, Tanti, merci pour tout. Je vous en prie. Merci. Donc, Maï, à tout moment. Merci bien. Bonjour, grande soeur. Bonjour. Et notre bébé? Elle va bien. Elle va bien. Grande soeur, je te remercie vraiment pour ton fair play. J'ai 25 ans. Et je suis à mon 4e mariage. Oui, 4e mariage. Les 3 derniers n'ont duré qu'un seul mois. Aucune satisfaction. Mais je crois que ma première nuit avec notre époux, c'est le las. Ici sera mon terminus. Il a été vraiment à la hauteur. Je suis satisfaite. Je te remercie encore. Bébé, ta petite maman est occupée. Sinon, c'était ton bonjour. Je retourne terminer ce que j'ai commencé.